Si vous n'étiez pas devenue actrice, vous avez une idée de ce que vous seriez devenue? Rêveuse, fée. Undskyld, jeg forstyrrer igen, men jeg er ked af, at jeg glemte det vigtigste. Vi er i dag, fordi min far har fødselsdag, og ikke på grund af alt muligt andet. Og hvis jeg ledte jer på vildspor før, vil jeg gerne gøre det godt igen ved at udbringe en hæderlig skål for min far. Så hvis I vil rejse op. Klart, Christian. Og tag hans glas. Skål for manden, der dræbte min søster. Skål for en morder. C'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Mais je trouve surtout que c'est un film dérangeant comme il faut. Vraiment, c'est un film qui touche à des choses terribles, avec une vraie grâce de cinéaste et une violence inouïe. Quelque chose de très... On sent vraiment que le metteur en scène est sur les acteurs, sur les personnages, tout le temps. C'est quand même ce que je trouve souvent quand même le plus intéressant au cinéma. Surtout quand on raconte vraiment des histoires comme ça, aussi simples et aussi étonnantes. Je veux dire, c'est quand même un film d'une audace formidable. Parce que toute la présentation des personnages, de la situation, du père, de la famille, tout ça est tellement... on sent que c'est pas conventionnel, que c'est pas filmé d'une façon conventionnelle, mais on sent que c'est des relations comme ça, de père, de patriarche, les enfants, les relations comme ça, de rapport de force. Et quand j'ai entendu cette phrase terrible au cours du dîner, vraiment, il y a eu un espèce de refus dans mon oreille de dire « Non, non, j'ai pas bien compris, j'ai pas entendu. » Donc ça, je trouve que c'est formidable d'arriver à créer cette impression d'une chose qui se passe sous vos yeux. Le film se passe au moment où vous le regardez. Ce film est inventé tout le temps et on a l'impression que tout est inventé tout le temps. Dire la vérité, ce serait une définition du cinéma qui vous convient ou pas forcément? Non, pas forcément. Pour moi, le cinéma, ça doit être une vérité réinventée. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je trouve que sur la forme, pour moi, pour que ce soit la vérité, il faudrait que ça reproduise ce que reproduit l'œil humain. Or, je trouve qu'il y a des images quand même, quand on les voit, où on est obligé de s'accommoder parce que je pense qu'il a tourné en super vite, gonflé. Enfin, qu'il y a eu quand même des choses qui... Donc, de temps en temps, on est obligé de faire un effort et... Ce qui, je trouve, tout à fait normal de toute façon au cinéma, mais disons qu'il y a une adaptation à faire aussi avec l'œil. Et pour moi, la vérité, ce serait vraiment la photographie de l'œil humain. Or, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour moi, la vérité au cinéma, c'est pas... Non. Moi, ce qui compte, c'est qu'on traîne dans une histoire, donc, et surtout une histoire qui me raconte l'histoire de personnages. Donc, qui est de l'invention, ça me paraît normal, donc ça ne peut plus être la vérité. Vous avez l'impression que vos goûts d'actrice sont très différents de vos goûts de spectatrice? Je reconnais que je suis attirée par les choses audacieuses. J'espère, comme actrice. Comme spectatrice, je suis sûre, et je ne suis pas sûre de pouvoir être l'actrice, de pouvoir être aussi audacieuse comme actrice que comme spectatrice. Je sais qu'il y a des films que j'aime où je pense que j'aurais pas pu... que des films que j'aime que j'aurais pas pu tourner si on me l'avait proposé. Ne me demandez pas lesquels, parce que j'ai même pas de... Là, j'ai pas de... A priori, comme ça, j'ai pas de... Mais je pense que je suis pas aussi... je n'ai pas un spectre aussi... large que je le voudrais. En même temps, je ne sais pas si une actrice doit finalement être... Je ne sais pas si ce serait intéressant de pouvoir tout faire ou de pouvoir être... Moi, je trouve que c'est très important de pouvoir se déplacer, ça c'est sûr. Et c'est vrai que je le recherche d'autant plus aujourd'hui que j'ai l'impression d'avoir été parfois limitée par mon physique assez sophistiqué, qui doit correspondre quand même... à une réalité de ce que je suis, mais c'est vrai que comme actrice, peut-être encore plus aujourd'hui que maintenant, parce que je sais pas, je dois être libérée de pas mal de choses, j'imagine aussi, mais oui, j'ai envie que ça soit plus large, en sachant que c'est plus large d'une certaine façon, parce que c'est plus étroit d'une autre façon. Le temps resserre les choses quand même, pour les actrices.